Dave, can you hear me? Hello? I need help. Gonna need help. Please. I don't know how long I've been living like this, but I know when the race began I've been quivering with. I fought in a world like that it would be living the cliff, but people shoot on sight just for anything they can get. This is bullshit, but let me tell you a story. I got separated from a friend right next to the quarry. We were searching for some food and we're trying to survive. Now I don't even know if he is dead or alive. We encountered some bandits and had to run. We couldn't fight back because we had no guns. But when I turned around, my only friend was gone. So I ran through the forest and I searched until dawn. Then I gave up, I had to find someplace safe. I gotta move on even without my friend Dave. But which way? Now I feel lost and scared. I stand there and notice that I stop to care. They see the day is come. They see I'm now on my own. They see the day see. Since they see I'm missing a lot of stuff that I had. I'm not talking about luxury, not even my bed. The things you miss in a world like this is someone to talk, someone to reminisce. And this is why I'm angry and I'm searching for a weapon. And then find those bandits and teach them a lesson. In this direction I could maybe find what I need. Suddenly there is someone standing right next to me. I freeze, he is armed and I only got a hatchet. I can't really see him, his head is covered with a blanket. He tells me to get off or he will shoot me in an instant. So I salut à tous, bienvenue sur Trolling FPS. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu pour les vidéos sur ma chaîne bientôt. Donc je jouerai sur Days. Donc là vous voyez que je suis en train de puter des zombies. Donc prochainement sur ma chaîne il y aura des vidéos sur Days avec 2-3 personnes avec qui je joue, surtout Tony que j'ai déjà fait un live avec. Malheureusement il n'a pas de micro, j'espère qu'il va peut-être en avoir un. J'espère qu'il va regarder cette petite vidéo. Donc Tony, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, achète un micro. Ah oui, voilà, donc j'ai... Là je suis tout seul dans la map je crois. Ouais, sur 40 je suis tout seul. Donc ça va, je vais en profiter pour faire ma vidéo. Donc cet hélicoptère là, je l'ai trouvé sur un airfield, donc dans une base militaire. D'ici, donc je suis ici là et je l'ai trouvé. Ça c'est rien, c'est pour moi montrer avec Tony après parce qu'il y a plein de véhicules et tout. Je l'ai trouvé ici, dans ici là. Donc j'ai trouvé ça. Mon arme c'est la PKP, donc c'est un sniper qui mitraillette en même temps, je crois. J'ai grenade, sac. Dans mon sac il y a... Bah attendez, je vais vous montrer, je vais monter dans l'hélicoptère. Hop, j'ai... Voilà. Bon, dans mon sac, j'ai la MP5 avec avec boisson à manger et tout ça pour moi un peu survivre quand même. Donc dans mon hélicoptère, j'ai tout ça. Donc j'ai chargeur Stanag, j'ai Makarov, j'ai 3 zombies part. Je suis pas tout seul à chercher tout, donc... on a des cadenas. Ah oui, parce que sur mes prochaines vidéos, moi et Tony on essaie de construire une base, mais malheureusement on trouve pas de pied de biche. Je sais pas comment c'est, d'habitude on en trouve, là on en trouve plus. Donc tant qu'on n'a pas de pied de biche et le panneau de 30 mètres pour construire notre base, on sait pas le construire. Donc j'espère qu'on va bientôt le trouver. Donc les armes, on a tout, double barrelé, on en a deux. On a la M10-14, on en a une. La MP5, on en a une. La 158V, on en a une aussi. La SVD, donc c'est un sniper camo, on en a une. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a à manger, on a tout. Donc on a tout ça. C'est pas le seul véhicule qu'on a. Donc, hop, je vais vous montrer un peu.
Donc le camion là c'est ce qui nous sert à aller chercher les matériaux pour nous construire notre base. Donc là à mon avis on a beaucoup de trucs, attendez, je vais regarder. Matériel. Voilà. Donc on a 13 roues pour les voitures pour les réparer. Là il y a double barrelé aussi, une arme. Il y en a une. Là Hetfield, il y en a une aussi. Il y a une Remington. Donc une Remington, donc c'est ça. Hop, voilà. On a un chargeur G17, on a des cyber blocs, donc des blocs. On en a 3. Bah, 3 tas de blocs on a. Combinaison lock, donc lui aussi il a 2 cadenas. Donc ça fait. Oh putain, on a quand même 4 cadenas. Wow. On pourra faire une grande base. Grenade, on a. Ah oui, voilà, les lumber, donc c'est les planches de bois pour construire. Les lumber pack, ça donc c'est ce que j'ai trouvé dans les airfield aussi. C'est les lumber, mais là il y en a plusieurs dans un paquet, c'est un paquet quoi. Les playwood, donc c'est ce qui va nous servir à construire notre base grâce au lumber et au playwood. Les scrap metal, c'est ce qui va nous servir à construire des poteaux ou des trucs comme ça, je crois. Je vais pas dire de conneries. On a des rampes. Par contre, attendez, je m'excuse, mais j'entends. Oh, oh, j'ai pas pris mon arme là. Matériel. J'ai pris la mauvaise arme, je crois. Ouais. Si je prends la mauvaise arme, ça va pas aller. Voilà. J'ai entendu des zombies quelque part. Je sais pas si vous entendez quelque chose, vous. Mais par contre, j'ai entendu quelque chose. Où est-ce qu'il est, ce zombie là? Là, il est mort. Là-bas. Bon. Hop. Raté. Merde. Ouais, ça donne plusieurs coups en même temps. Mais allez, j'arrive pas à l'avoir lui. C'est quoi ce pince? Allez, arrête de bouger. Boum. Boum. Allez. Ah, j'ai touché. Touché. Coulé. T'es mort. Voilà. Bon, zombie est mort. Il y en a des autres. Il y en a des autres ou pas? Ah, un lapin qui court, je crois, là-bas. Par contre, les lapins, j'en ai déjà tué, donc c'est bon, j'en ai déjà assez. Parce qu'en fait, dans ce jeu, on doit trouver tout pour survivre le plus longtemps possible. Ah. Ouais, c'est ça. Allez, crève. Voilà. Ah, le problème, c'est qu'ici, on n'est pas couvert par les zombies. Donc oui, on doit trouver la nourriture, les boissons, bandages et poche de sang au cas où quand on se fait attaquer par les zombies. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de se faire attaquer. Là ça va, on a battu nos scores, ça fait une semaine qu'on est sur le serveur sans mourir. Donc, j'entends des zombies encore. Où est-ce qu'ils sont? Ils viennent d'où eux? Où est-ce qu'ils sont? Donc, hop. Donc les bandages, ben... Les bandages. Oui, j'ai une pelle pliable, une clé. Un coffre à outils, un kit de reproduction de clés, des jumelles, une hache, GPS, carte, des allumettes, j'ai quoi, de la morphine, épipène, donc ça c'est la nourriture, donc oh ben, je vais hop, manger, parce que j'ai commencé à avoir faim, hop, manger. Donc en fait, sur côté droit en bas, il y a nourriture. Tout en dessous c'est la nourriture, la goutte c'est le sang, la bouteille ben, c'est la boisson, donc quand on a soif et tout. Au dessus en rouge c'est la température, donc quand il est rose ben, on a intérêt à se réchauffer vite. Toi tu restes là, voilà. Et l'arme au dessus ben, c'est l'arme, ben, je sais pas pourquoi elle clignote ainsi. Alors, il y a des zombies quelque part, j'entends quelque chose. J'entends des zombies, mais je sais pas où ils sont. Ok, bon, attendez, hop. Donc, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah, je l'ai trouvé, le petit zombie. Bouge plus. Ben, arrête de bouger. Putain, il va me faire un snowball. Ça, une balle, il est mort lui. Allez, crève. Ok, il n'y en a plus. Je peux parler maintenant.
Bon, j'espère que Tony va bientôt se connecter parce que tout seul je vais pas m'en sortir. Hein. Parce qu'en plus il faut aller chercher un autre hélico. Le nom du serveur je vous le dirai pas. Parce que je sais pas, je vous le dirai pas. Voilà. Parce que j'ai pas envie que vous venez voir. Parce que comme vous avez regardé, si vous avez regardé la vidéo que vous avez le jeu, j'ai pas envie que vous venez chercher mon hélicoptère. Ça s'appelle des comment encore ces gens-là qui regardent des vidéos en live et qu'après ils vont directement chercher à l'endroit. Je sais plus, faut que je regarde sur internet. J'ai encore entendu bleu bleu. Donc ça fait combien de temps que je joue moi à Days? Deux semaines, trois semaines, un truc ainsi. Au début je jouais sur mais donc c'est sur Arma 2, c'est la bêta, mais au début je jouais donc faire le policier ou le civil, mais bon ça devenait saoulant, c'était toujours répétitif. Mais là c'est vraiment pas répétitif, c'est que vous faites toujours jamais le même, la même chose. Surtout quand il y a 40 personnes dans la partie dans le serveur, là c'est la merde parce que vous perdez tout. Donc vous mourrez, ben vous perdez tout, vous recommencez tout à zéro. Sauf si vous réussissez à récupérer vos stuff. Mais bon, faut vraiment avoir de la chance parce que si lui qui vous a tué, directement il va prendre votre stuff à vous, donc faut vraiment avoir du bol. Bon ben je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur Days. Donc vous aurez bientôt des vidéos sur Days sur ma chaîne. Dites-moi quoi avec mon intro, parce que je crois qu'elle dure un petit peu trop longtemps l'intro, à une minute ou un truc ainsi. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Peace.